Aujourd'hui, on est sur la rivière Trinité, à Baie-Trinité sur la Côte-Nord. On s'en vient pêcher le saumon avec mon bon ami Simon Malenfant. Donc, on souhaite du beau saumon aujourd'hui. On sait que le grill est un peu en action depuis les derniers jours. Par contre, c'est peut-être pas les conditions pour le saumon idéal. Le niveau d'eau est vraiment très bas. Il a fait très chaud dernièrement. Donc, mais le meilleur moyen de le savoir, bien, c'est de l'essayer. Puis on verra bien ce qui va se passer par la suite. La rivière Trinité est située à environ une heure à l'est de Baie-Comeau. C'est une rivière qui est reconnue depuis des décennies pour la qualité de sa pêche au saumon et aussi la qualité de la pêche à la truite de mer qu'on y retrouve. Il y a des gens qui se déplacent de partout au Québec dans le but de venir taquiner le poisson ici. Donc aujourd'hui, on pêche dans un secteur qui est contingenté. Donc c'est par tirage au sort. On était chanceux, on a réussi à avoir deux perches. Donc Simon va être en mesure d'avoir sa fosse. Et moi-même aussi, je vais avoir ma fosse. Donc on va vraiment être en mesure de bien couvrir la rivière dans le but de découvrir où se cache le saumon aujourd'hui. Si vous cognez, vous criez. De toute façon, on vous entend. Je t'entends. C'est pas mal, là. Est-ce qu'on soit ici? On se connaît? C'est vraiment une rivière qui a quand même des particularités au niveau du courant, au niveau des roches aussi. Présentement, le niveau est vraiment très bas. Donc, les courants sont différents. Mais je pense qu'on va quand même être en mesure de localiser là, certains saumons, des grêles aussi. On vient d'arriver sur le bord de la fosse, puis ça prend environ là, 5 minutes qu'on a vu un premier grêle sauter. Donc, ça veut dire qu'il y en a dans le secteur, puis je pense qu'on va les travailler. Pour ce qui est de la pêche au saumon, on est en mesure de capturer deux types de saumon. Premièrement, il y a le saumoneau et le grand saumon. Le grand saumon, présentement, on n'est pas en mesure de le conserver. Question de pérennité de l'espèce, on se doit de le remettre à l'eau, absolument. Par contre, si on a un permis qui nous permet de garder un saumoneau, à ce moment-là, c'est libre au pêcheur, soit de le remettre à l'eau ou tout simplement le garder. Aujourd'hui, je suis vraiment privilégié d'avoir l'opportunité de pêcher avec Simon Malenfant. Simon, c'est quelqu'un qui connaît la rivière Trinité comme le fond de sa poche. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience sur la rivière. Ça fait des années qu'il pêche le saumon. Il a eu énormément de succès par le passé. Et c'est vraiment la personne tout désignée pour m'initier à la pêche au saumon sur la Trinité. De mon côté, j'ai vraiment pas beaucoup d'expérience dans la pêche au saumon. J'ai pêché une seule fois l'année dernière. Donc présentement, c'est ma deuxième fois au saumon. J'apprends énormément, surtout en côtoyant des gens passionnés. Ce qu'on a fait depuis ce matin, c'est qu'on était dans la fosse numéro 4. On a essayé à la mouche noyée. Présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie la mouche sèche, donc dans le but de varier un peu nos approches.
C'est les derniers moments dans cette fosse-là. Par la suite, on va aller à la fosse qui est derrière moi, tout au fond, la fosse numéro 3. On a eu de l'action, on a eu quelques marsouinages et des saumons aussi qui ont sauté. On est en mesure de voir aussi dans le sanctuaire à saumons là, qui est un peu plus en amont de la rivière, qu'il y a énormément de saumons. On est en mesure de les voir, on avait un bon visuel. Donc c'est encourageant, il y a du saumon dans la rivière. Maintenant, bien, on se croise les doigts pour la suite. La pêche au saumon, c'est vraiment pas une question de quantité. Juste le fait de se retrouver en chum sur le bord d'une rivière, ça, ben, ça n'a pas de prix. Par la suite des prises, ben, ça, c'est un plus. On est présentement sur la plage ici à Baie-Trinité, à l'embouchure de la rivière Trinité. On est venu ici essayer la truite de mer puisque, bon, à ce moment-ci, la journée, là, au niveau des heures, on avait une fosse qui n'avait pas beaucoup d'eau. Donc, le niveau d'eau de la rivière est vraiment très bas. Donc, c'était pas l'idéal. Donc, la fosse difficilement pêchable. On a décidé d'en profiter pour venir essayer la truite de mer. Malheureusement pour nous, quand on est arrivé, les gens avaient de l'action un peu, des gens qui avaient pris certaines très belles prises.
de notre côté. On a essayé peut-être environ une petite demi-heure. Ça n'a pas fonctionné. Là, présentement, on retourne au saumon. Puis on souhaite la meilleure des chances pour la suite. On travaille fort. La journée vient tout juste de se terminer sur la rivière Baie-Trinité. Malheureusement pour nous, on n'a pas été en mesure de capturer le saumon tant recherché. Malheureusement, ben, ça fait partie de la game. Puis c'est pas plus grave que ça. On se reprend la prochaine fois. On a tout de même passé une agréable journée en bonne compagnie. On a eu du gros plaisir. Puis ben, c'est ça la pêche au saumon.